et avec tout le monde, avec vous tous. C'est parti pour Talent Street Kids qui, comme son nom l'indique, va voir s'affronter des talents issus de la culture de rue, toutes disciplines confondues, avec une particularité de taille. Nos 14 challengers ce soir sont nés à la toute fin des années 90, début 2000. Ils ont entre 8 et 16 ans et sont déjà des petits prodiges du rap, du breakdance, du skate ou bien encore du beatbox. Ils vont s'affronter lors d'une soirée unique pour tenter de remporter le premier trophée Talent Street Kids 2014. Ces talents vont se produire ici, devant nous, dans le skatepark, un peu partout. Mais ils vont aussi performer devant un jury de classe internationale qui les jugeront. Merci de faire du bruit pour eux, s'il vous plaît. Ce temps, une candidate répète son texte. Elle vient d'avoir 14 ans, elle vient de Clichy. Et autant vous dire qu'elle n'est pas là pour rigoler. Elle est auteure, interprète de ses propres titres. Et son truc, c'est pas le R&B romantique, ce serait plutôt le rap hardcore. Je vous demande de faire un maximum de bruit pour la Bambina. Dédicace à la familia. Aïe aïe aïe. La Bambina, Elisa, là c'est ça. On est là. Je me présente la Bambina, j'ai la tête d'une pogosa. Tous les jours en mode survêtement, mais du Barça. Nique sa mère, les jupes, jupes de guerre, c'est pas mon d'elle. Elles sont jalouses, elles, qu'importe se prendre une frappe. Frappe de bastos dans leur mère. J'ai un pas de Marseille, mais t'inquiète, hey, j'ai les mains qui saignent. Photocrache tes mots, pro, tu fais le beau tago à la mâchoire cassée. Dis-moi, qu'est-ce que t'as toi à me les casser? La Bambina au mic, quoi? Toi t'es rincé. Ami gogo, ma stop et ta ton goal et DGC, va par la dégage ta go. Qu'est-ce que t'es pas content? Appelle maman. Ami gogo, ma stop et ta ton goal et DGC, va par la dégage ta go. Qu'est-ce que t'es pas content? Appelle maman. Perversité dans ses veines, j'ouvre ça des gaines. Marocaine sans gêne, et si ça te gêne, c'est que t'as la haine. Avec moi, pas de mots douqués, des mots crus, t'as cru, on était où? C'est les bisounours ici, c'est les harabounours. Mon bonnet est illégal, tout comme mon blazer. Regarde mes pieds, pas blazer, j'ai mal au crâne. Coup de taser, hein. J'attrape la balle, comme Zlatan, j'capture le rap. Comme Gradure, j'prends mon yébi, pour turfu, j't'ahlel. En survêt, t'es m'ahlel, en jupé, t'arrêtes de blabla. Des fous arrêts, le même sujet, j'suis la Matrix, c'est du rap français. Catalogué, interviewé. Y'a même ma biographie sur Wikipédia. J'ai sorti un son et j'suis déjà dans les médias, négro, hein. Amigo, go, ma stop et ta ton goal et DGC, va par la dégage ta go. Qu'est-ce que t'es pas content? Appelle maman. Amigo, go, ma stop et ta ton goal et DGC, va par la dégage ta go. Qu'est-ce que t'es pas content? Appelle maman. J'suis pas genre de go à mettre des mini-jupes qui se fait appeler ma puce. Comme là, les contacts de gars dans sa buste. À chaque fois qu'elle ouvre la bouche, ça pue la garétie. Qui font les michetonneuses pour du deux. J'suis, c'est pas éthique. Trop de t'miniques, moi j'suis plutôt celle qui va se mettre me surveiller. Ouais, ego, casquette, basket. Tu peux pas t'être une meuf de tête. Dès que touche le ballon, j'fais peur aux garçons. On me dit que j'suis la nouvelle révélation. Révélation. La Bambina, ah. À l'instant. Reste. Qu'est-ce qui s'est passé, ma chérie? Tout à l'heure, t'es arrivée, t'étais toute douce, toute gentille. Là, je te vois sur scène, t'es transformée. Quel âge tu as? 14 ans. 14 piges, la Bambina avec nous, en freestyle à l'instant sur le plateau de Talent Street. Vous pouvez l'applaudir encore? On peut l'applaudir. Merci. On va demander l'avis du jury tout de suite. Qui commence? Mia? Joey? Joey? Moi, je veux bien commencer. Vas-y, Joey. Déjà, t'as fait des off-beat, il y a un moment donné, c'est bien de faire ça, t'as vu, tac, tac, et que les gens, ils font, mais t'étais plus dans le beat, mon ami, hein. Tu vois, il y a des moments, t'étais plus dans le beat, je suis désolé. Ça. Après, je trouve que il y a des petits moments où tu montres des choses, sérieux, tu veux pas sortir de la posture, t'as un gun, là, dans le jogging, ou quoi? T'as un gun, t'es venu avec un lowride, tout ça, taf-taf? Non, ouais. Moi, c'est tout ce que j'aime pas dans le rap, c'est-à-dire, soit tu fais ce que t'as, ou alors tu fais la tendance, et là, ça m'intéresse pas du tout, t'as vu. Et moi, je trouve que, tu vois, il y a des petits moments où tu montres des choses, et on sent que t'as un feeling, mais après, tu reviens sur ton truc, machin. Regarde-toi, t'es une jeune fille, t'as un bon aura, t'as envie de quoi? T'as envie de te changer en homme à la fin? C'est quoi le projet? Non, mais sérieux, moi, je suis pas, c'est pas pour te péter que je dis ça. C'est parce que je sens qu'il y a des petits trucs,
Et puis d'un seul coup, ça part sur le machin. Waouh, t'as vu? Ça, c'est ce que tout le monde fait. Ça, c'est la tendance du moment. Tu vas t'engouffrer là-dedans, tu vas pas t'en sortir. Sors-en le plus vite possible. Si t'es là pour juste pour t'amuser, c'est bien, t'as pris ton pied, je suis content pour toi. Mais si par contre, tu comptes vraiment exceller là-dedans, arrête d'écouter ce que font les autres en bas de chez toi et ainsi de suite. Parce que la vraie tendance, ce truc-là, c'est ce qui va tuer le rap. Tu vois? Ça, c'est du rap de thèse, c'est du rap de machin. Je suis pas en train de cracher dessus parce qu'il y en a du bon. Mais il y en a trop. Aujourd'hui, tout le monde prétend et très peu excelle, tu vois. Eh, c'est de la musique qu'on fait. C'est pas je joue le gangster, je tac-tac. Je te repose la question, à moins que t'aies 45 dans ton jogging. Sinon, je vois pas, quoi, tu vois. Ou alors, t'es en bas de chez toi et tu cloques du bordel. C'est quoi, enfin, je te parle comme t'écris, hein. Je te parle comme t'écris, là. T'as vu? Profite du fait. Moi, j'ai pas étudié la musique. J'en vis. J'ai été à l'école que jusqu'en troisième. Je vis de mes écrits, s'il te plaît. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'à un moment donné, je me le suis approprié, j'ai essayé d'en faire quelque chose qui est tout autre que... Et que justement, j'ai jamais fait ça, moi. Moi, pour tous les gens qui ne connaissent pas ma musique et qui pensent que Nique ta mère, c'était... Non, Nique ta mère, c'est parce que c'est du constat d'urgence. Parce qu'il y a une urgence, et on relate une urgence. Voilà pourquoi on s'est appelé Nique ta mère. Jamais parce qu'on s'est pris pour des durs. Tu vois? Et c'est pas parce que tu fais de la musique que t'es un dur. Non, si t'es un dur, il y a autre chose à faire, et les vrais le savent. Mais là, tu nous imposes un truc... Et puis en plus, ouais, t'es là, et à un moment donné, t'es toute seule parce que t'es plus dans le beat. Et excuse-moi, la matière première de ce que tu fais, c'est le beat. Merci, Joey. Merci, Joey. On va passer la parole à Mia. Donc, moi je suis d'accord avec ce que dit Joey dans le sens où l'histoire que tu racontes, je suis pas persuadée qu'elle est vraiment vraie. Donc du coup, on n'y croit pas. C'est ça le problème. On n'y croit pas. Et par contre, c'est vrai qu'il y a des moments où tu étais parti, donc t'étais sur ta lancée, mais t'étais hors tempo. T'étais pas en rythme. Et je me suis dit, mais est-ce qu'elle fait exprès pour que ça soit un peu drôle? Mais non, tu étais toujours dans du sérieux et t'es parti hors tempo. Donc il faut faire très attention. Et je trouve que, honnêtement, ma chérie, il y a tellement de gars qui font du rap, mais hardcore, et que des filles tu peux rester hardcore, mais t'as pas besoin d'avoir la posture forcément. On va être franc, si écoute même Nicki Minaj, ce qu'elle dit, c'est hyper trash et hardcore, mais la meuf, elle est sexy, quoi. Elle est là. Missy Elliott, c'était pareil. MC Light, elle garde. Sexy, je sais pas pour Nicki Minaj, mais au moins elle est féminine, quoi. Elle est féminine, tu vois ce que je veux dire, c'est quelque chose de féminine, et c'est ça qui te manque. Donc il faut faire attention. Merci Mia, merci. Merci, on va demander l'avis de Mathias. Et on va enchaîner sur les notes. Ouais, bien sûr. Allez, je vais faire rapidement parce qu'ils en ont beaucoup dit et je suis d'accord avec eux sur le point. C'est que ouais, genre c'est dommage. Genre en plus t'es plutôt mimi et tout. Genre je pense que tu devrais plus jouer sur le ton côté féminin que de vouloir ressembler à une Kyra. Tu vois, genre je pense que t'as vraiment un talent d'écriture. C'est incroyable d'écrire à ton âge. Tu vois. Joue plutôt sur ton côté féminin. Sois plutôt toi plutôt qu'essayer d'être une Kyra, honnêtement. Les notes. Merci, les notes, on en profite. Moi, je vais te noter sur ton bonnet parce que t'es venu de loin. Je vais te donner 5. 5 pour Joey, la note de Mia. Moi, je mets un 5 aussi. 5 aussi, Mathias. Moi, j'ai mis un 6. Et 6 pour Mathias. Le classement, la Bambina, avec une moyenne de 5,5 en 11e position. Merci. Et... J'espère surtout 3. Que t'as entendu ce qu'ils disent. Tu vois, c'est pour faire progresser, c'est pas juste pour gratuitement sortir ça. Très simplement, tu sais quoi? Moi j'ai vu quelques étincelles de choses intéressantes, s'il te plaît. Ce que t'as essayé de nous faire là, c'est pour moi, c'est ce qui pollue le rap en ce moment, tu vois. S'il te plaît, te lance pas là-dedans, fais-toi plaisir, voilà. Merci, on l'applaudit, la Bambina, à l'instant. Va pas lui miauler un tax, hein, c'est genre, voilà, dis-lui un truc straight, voilà, on n'est pas là... Celui qui se casse la gueule, on va pas lui mettre un pansement, t'as vu, donc c'est pareil, voilà. Elle est venue, elle s'est déplacée, on lui a parlé franchement et straight au possible, tu vois. Après, ça fait toujours mal, c'est comme ça. Mmh.